Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sokulu Mike. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter une à deux fois par jour sur la map classique sans level que vous voyez à l'écran pour nous aider à débloquer l'XP sur cette map pour qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'XP qui vont vous rapporter 5, 10, 15 levels par glitch. Donc n'hésitez pas à vous connecter une à deux fois par jour sur cette map et à même partager la map si vous voulez vraiment nous aider. Alors le code de la map sera en description, en commentaire épinglé. Merci à tous ceux qui s'y connectent tous les jours. Alors, le code de la map de cette vidéo, donc du glitch de cette vidéo, est le 01107302458. Donc voilà, vous entrez ce code, vous acceptez la map, ensuite vous lancez la map en privé. En attendant que la map se lance, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite, entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent. Il faut savoir que le code s'efface toutes les deux semaines, donc n'hésitez pas à l'actualiser. Par la même occasion, vous pouvez liker, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Alors quand vous êtes dans la map, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur option menu lancer le jeu. Et là, vous avez deux solutions. Soit vous faites directement les glitches que je vais vous présenter dans cette vidéo, ou soit vous attendez tout simplement 10 minutes avant de faire les glitches. Donc regardez, en haut à gauche, il est marqué play 12 minutes égale XP. Donc si vous jouez pendant 12 minutes, vous gagnerez plus d'XP. Donc moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement attendre 12 minutes et ensuite je vais faire les glitches pour essayer de gagner beaucoup plus d'XP en faisant les glitches. Après, c'est pas obligatoire d'attendre les 12 minutes, mais c'est mieux si vous voulez gagner plus d'XP. Donc voilà, donc c'est parti, là je vais attendre 12 minutes, on se retrouve à tout de suite. Ok, donc j'ai même attendu 17 minutes parce que voilà, j'étais occupé. Et en fait, dans cette map, il y a 3 glitches. Donc je vais vous les présenter tous les 3. Donc déjà, on va aller au premier glitch qui est en dessous du spawn. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un grappin. Enfin, même pas. Parce que vous devez construire les constructions. Moi, j'ai déjà construite. Mais ce que vous allez faire, c'est construire des constructions jusqu'au-dessus pour atteindre le bas du spawn. Donc voilà. Quand vous êtes en bas du spawn, essayez de vous repérer aux pads qui sont juste là. Voilà, ces pads là. Vous faites deux sols à partir de ce pad là. Donc 1, 2, même 3 sols. Ensuite, vous mettez un toit comme je l'ai fait. Et vous montez sur le toit, vous regardez en l'air. Il y a un bouton Secret Room XP. Donc regardez, les deux plateformes sont là et le bouton est là. Il est un peu difficile à se repérer, mais voilà, essayez de vous repérer avec les deux plateformes. Vous faites 3 sols et un plafond, et normalement vous devriez le trouver. Donc là, j'étais à 34 000 XP, on va voir combien ça va me rapporter. Ok, donc 34 000 plus 34 000, donc ça fait 68 000 XP. Celui-là m'a rapporté 68 000 XP, donc ça c'était le premier. Alors le deuxième, c'est près du Secret Vault. Donc juste ici, regardez, vous allez à gauche de Secret Vault et vous allez construire deux rampes comme je les ai faites. Donc vous allez sur le côté ici et vous construisez deux rampes. Une, deux. Quand vous arrivez près des deux rampes, regardez un peu plus sur la droite, juste ici, il y a un bouton Secret Room XP, vous interagissez avec. Boum, je suis à 66 000 XP. On va voir combien ça va me rapporter. Ok, donc 66 000 là, 30... ça m'a rapporté 31 000 XP. Et le dernier glitch se trouve du côté droite du spawn, donc sur les deux rampes du côté droite du spawn. Vous allez tout simplement vous rendre au-dessus des deux rampes. Hop. Ensuite, vous mettez un plat de ce côté-là, donc du côté droite. Voilà. Et vous mettez 3 sols. Au bout des 3 sols, ici dans le coin à gauche, il y a un bouton Secret Room XP. Vous interagissez avec. Là, j'étais à 35 000 XP.
Ok, donc de 35 000, je suis passé à 17 000, donc ça fait une histoire de plus ou moins 20 000 XP. Donc voilà, rien qu'avec ce glitch-là, j'ai gagné plus de un niveau complet. Donc soit, ce que vous pouvez faire maintenant, soit vous arrêtez le jeu et vous recommencez le jeu, vous relancez la map à chaque fois pour refaire les glitches en illimité, les 3 glitches, ou alors vous utilisez la technique secrète qui sera en description en commentaire épinglé qui vous permettra de gagner 5 fois plus d'XP avec n'importe quel glitch de Fortnite. Donc si vous ne connaissez pas la technique secrète, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui sera en description en commentaire épinglé pour connaître cette technique. Et grâce à cette technique, par exemple là j'ai gagné un niveau, ben grâce à cette technique, rien que ce glitch aurait pu me rapporter 5 niveaux directement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en description, en commentaire épinglé si vous ne connaissez pas la technique. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soicool Mec et ciao. Peace.